Quickly grab your Bibles, turn to Luke chapter 4. Nous tournons dans Luc chapitre 4. I'm going to share a very brief message. Donc mon message est assez court. Unlike I did earlier. Et comparativement à ce matin, it's hard for me to preach short. Et il n'est pas facile pour moi pour prêcher court. I have so much word on the inside of me. Il y a tellement la parole de Dieu dans à l'intérieur de moi. It just goes from thought to thought to thought to thought. Parce qu'il y en a pensée après pensée après pensée. But I want to condense what I want to say today. Mais je voulais concentrer mon message. To a few passages of scriptures. Et seulement quelques versets. This passage starts. Ce passage. With Jesus coming from being tempted in the wilderness. Et Jésus quand il sorti dans la montagne quand il y a tentation. He was tempted by Satan in three particular areas. Et donc il est tenté par le diable dans trois sections. Just like all of us. Pareil comme nous aussi nous faire face. He was tempted with food. Il était tenté par la nourriture. He was tempted with notoriety. Notoriety and prestige. Et il était tenté par la gloire de l'homme. He was tempted also with being given all the kingdoms of the earth. Et il était tenté aussi pour gagner tout le royaume du monde. But he denied each and every one. Mais à chaque fois, il refuse cela. To fulfill the purpose of God. Pour accomplir dans le plan de Dieu. He then goes to Galilee. Et après cela, il est en Galilée. If you ever get to go to Galilee, si jamais vous avez une chance pour aller en Galilée, we think it's the most beautiful part of all Israel. Et nous pensons que c'est la partie la plus jolie en Israël. It's like Mauritius. Il y a un peu comme l'île Maurice. Especially around the Sea of Galilee. Et près de la mer de Galilée. And when you read the Bible, Jesus spent most of his time there. Et quand on lit la Bible, Jésus passe plus beaucoup de temps dans la mer de Galilée. And when you get there, you'll understand why. Et faut rester là-bas, vous comprendrez ce qu'il fait. The beautiful sea, or the Sea of Tiberias, or Galilee. Et vraiment, une jolie la plage, jolie la mer là-bas. And the surrounding countryside. Et aussi un paysage très joli autour. Well, it was there that he had his home church. Et là, l'église. The Bible tells us, as his custom was. Et la Bible dit comme ça, comment Jésus était dans l'habitude. Then he went to church every Saturday. Et il était à l'église tous les samedis. Now we go Sunday. Mais nous nous allons dimanche. But he was in church. Mais il est dans l'église. And he gets to his home church. Et là il retourne dans son église. He goes to Nazareth, where he had been brought up. Parce qu'il est dans Nazareth qu'il a grandi. And there he takes the scroll, the reading for the day. Et là il prend les écritures, les nouvelles. It would be like our Bible. Et il paraît comme le livre, c'était un rouleau à l'époque. And the law and the prophets was opened. Et là, c'était le livre des prophètes qui était ouvert. And it says that he took the scripture and he read the reading for the day. Et la Bible dit comme ça qu'il déroule le rouleau et il commence à lire les versets du jour. It was a quote from the book of Isaiah, chapter 61. Et bien sûr, c'est une cause d'Isaïe, chapitre 51. Verses 1 and 2. 61, versets 1 et 2. And that passage was all about him. Et ce passage-là, qui concerne Jésus lui-même qui And now he's presenting himself as the Messiah. Il se présente lui-même comme le Messie. That this word that was spoken 700 years before by the prophet Isaiah is now being fulfilled in your very midst. Mais aujourd'hui, au milieu de vous, il peut être accompli. At that particular time. À ce moment particulier. Beginning at verse 18. Verset 18, il dit, the Spirit of the Lord is upon me. Il y a l'Esprit du Seigneur est sur moi. Whenever you read in the Bible, chaque fois que vous lisez dans la Bible, and you see Spirit capitalized with a large S, que je trouve le mot Esprit avec un E capital, it is always referencing the Holy Spirit. Bien sûr, il fait référence au Saint-Esprit, capital S, oui. When you see the small S, it's talking about us. Quand il y a un petit S, ou eux, oui, et c'est l'Esprit, nous l'Esprit. In the very beginning, the Bible says, et au commencement, la Bible dit, hein, the Holy Spirit brooded and hovered over the earth. Que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. And that when the Lord began to speak, et il dit, quand le Seigneur commence à causer, he says, let there be light. Il dit, que la lumière soit. He began to speak and declare creation. Et comment déclarer et créer la création. And there the Spirit was. Et c'est là que le Saint-Esprit se mouvait. And he says, the Spirit of the Lord is upon me. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Because he has anointed me. Parce qu'il anointe moi. No, an anointing is for a purpose. Et être est un but spécial, spécifique. It's not just to feel good. C'est pas juste qu'il nous sentions bien. In our meetings, we feel good. Et vraiment, nous capables sentions-nous bien. We feel joy. We feel euphoria. Nous sentis l'euphorie et la joie intense. We feel great excitement. Nous sentis l'excitation. Because the presence of the Lord comes to the meeting. Quand la présence de Dieu y apparaît dans une réunion. Sometimes we may feel goosebumps. Et parfois nous gagnons vraiment nous
chair de poule. But the service is more than goosebumps. Mais je connais, une réunion est plus que la chair de poule. It is the power of the Lord bringing transformation in our lives. C'est la puissance de Dieu qui apporte la transformation dans la vie. God is taking us from glory to glory to glory. Parce que Dieu nous prend de gloire en gloire et en gloire. It is a transformation. C'est une transformation. The word is called sanctification. Le mot sanctification. That we are being changed and renewed day by day. Le dire comme ça que nous changer de jour en jour. That's why we read the word. À cause ça nous lire la parole tous les jours. That's why we pray. À cause ça nous prier tous les jours. That's why we study the scripture. À cause ça nous étudier les écritures tous les jours. That's why we come to church. À cause ça que nous venons à l'église. That's why we minister. Pour que nous cavent ministre. The change is taking place in our life. Le changement il commence à faire place dans notre vie. Every one of us are going through a process of change. Nous tous nous passons dans un processus de transformation. God is changing us that he might use us. Parce que Dieu veut transformer nous pour qu'il serve nous. As his instrument. Comme un instrument dans sa main. For his glory and honor. Pour sa gloire et son honneur. The original language for the word anointing. Quand nous guette le mot oint. Means to smear with oil. Veut dire être couvert. To dump out and to pour with oil. C'est vraiment de prendre de l'huile, de déverser. The anointing is always for a task. Et quand nous voyons, il est toujours pour un but spécifique. So Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me." Donc Jésus veut dire l'esprit du Seigneur est sur moi. And what he is also saying to us this day today. Right here in this service in Mauritius. Et au milieu de ce service à la Mauritius. Right here at Light Ministries International et Church. Maintenant ici dans Light Ministries. He's saying, I have anointed you. Le Seigneur peut dire, moi noint toi. I have anointed you. Moi qui noint toi. Look at your neighbor and say, you are anointed. Look at your other neighbor and say, you are anointed. Somebody say, I'm anointed. Je suis oint. But the anointing is not for you. Mais l'onction n'est pas pour eux. The anointing is always for other people. L'onction est toujours pour les autres. The anointing on Jesus was for you and I. L'onction qui tient alors Jésus c'était pour eux et moi. It's anointing for everybody that will receive him. Et c'est pour l'onction qui tout le monde va recevoir. Our text goes on to say. Et le verset il continue. He says, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. You don't have to be poor anymore. Vous n'êtes plus besoin d'être pauvre encore. Every one of us before we come to faith in Christ. Et nous tous nous pouvons y arrêter en Christ. Is bankrupt in our spirit and our soul. Et quand tu t'amènes vraiment et la défaite dans nos âmes. It does not matter how nice or good we are. Et qu'importe qui nous bien, nous paraît joli. We are still bankrupt in our soul. Mais malheureusement, vraiment, on a la faillite dans nos cœurs. So he has come. Mais c'est pour ça que Jésus vient. To proclaim the good news. Qui proclame la bonne nouvelle. That we don't have to be poor anymore. Qu'il ne plus besoin d'être pauvre encore. That he paid the price. Parce qu'il a payé le prix. For us to have eternal life. Pour qu'il nous gagne la vie éternelle. That we might live with him forever. Qu'il nous vive avec lui pour l'éternité. And that in the meantime until then, et que pour l'instant jusqu'à ce moment-là, that we are growing and expanding, qui nous peut grandir, nous peut grandir, and being used by Jesus, et que Dieu puisse servir nous, to expand the kingdom of God, pour répandre le royaume de Dieu. Somebody say I'm anointed. Nous allons dire amen à tout cela. Come on, are you awake this morning? Say I'm anointed. Ce matin, dis amen. Hallelujah. Hallelujah. So we have an anointing. Nous avons l'onction. It's to proclaim good news to the poor. He goes on to say he has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Prisoners are those who are locked into bondage. And anything that holds them in bondage. And one of the things that I have found out by traveling the world, it doesn't matter where I go, people are into bondage to all kinds of things. It can be drugs, it can be alcohol, it can be illicit sex. Beaucoup de substances nocives. They can be in bondage to many things. Et ils peuvent être liés, emprisonnés par beaucoup de choses. Wrong belief systems, wrong thinking. Et ils peuvent être emprisonnés dans la religion, de mauvaise façon de penser. I was in Russia a number of years ago. Et quelques années cela, moi, j'étais en Russie. I was preaching at a hospital. Donc moi, je vais prêcher dans l'hôpital. To doctors and nurses. À mon docteur, à mon nurse, à mon infirmier. And as I was sharing with the team there. Et pendant qu'ils m'ont prêché à l'équipe là-bas. There was a nurse who raised her hand. Et il y a un infirmier qui lève sur la main. And she says, "Can I give a testimony?" Il dit, "Peux-je donner un témoignage?" And we said, "Absolutely, you can." Mais j'ai dit, "Oui, bien sûr, tu peux." She began to tell us about her upbringing. Et il commence à parler comment il grandit. And all people in Russia. Et tout le monde dans la Russie. They were raised and steeped in atheism. Et ils ont grandi dans l'athéisme.
taught to believe there was no God. Et je n'ai été éduqué pour pas croire que bon Dieu existait. So they were in bondage to wrong thinking. Donc c'est un lien, c'est un bondage dans. It held them in captivity to wrong thinking. Et j'étais dans la captivité d'une mauvaise pensée, façon de penser. But it's amazing how God can break through wrong thinking. Mais c'est incroyable comment bon Dieu brise cette mauvaise pensée. He can make a change in their life. Que Dieu apporte une transformation dans toute la vie. As she told the story. Et là nous raconte cette histoire. One day she was driving her car. She was going to work that day. As she came to an intersection, and going through the intersection, another car ran the signal. It hit her car and completely tipped it over. Glass was flying everywhere. There was gasoline that was beginning to drip from her vehicle. Et même l'essence qui commence à tomber sur le toit. She could smell the gas, knowing that it would ignite at any moment. Mais tu peux sentir l'odeur de l'essence, tu connais ça pour qu'elle va allumer à n'importe quel moment. But she was trapped because her seatbelt would not come undone. Mais malheureusement, tu es prisonnier avec ce ceinture de sécurité. And she couldn't get undone from her seatbelt. Et elle n'est pas capable de tirer sa ceinture de sécurité. As much as she struggled, she couldn't get loose. Et malgré qu'elle puisse combattre même pour tirer sa ceinture, elle n'est pas capable. But she says, "I cried out." Mais là, elle dit, "Je commence à crier." In my desperation. Inspiration. Et dans le désespoir, even though I'd been told there is no God, et même qu'il m'avait enseigné qu'il peine à bon Dieu, I yelled out and I said, "Jesus!" Et à ce moment-là, me dire Jésus, Jesus, Jésus, Jesus, Jésus. When she did, that seatbelt came undone. Et le moment où il dit ça, son ceinture, il commence à larguer. She was able to climb out of that vehicle before it caught on fire. Et sortir dans le truc qui commence à prendre du feu. You see, wrong thinking had held her captive. Vous trouvez une mauvaise pensée qui garde captive. Because of a change, mais à cause d'un changement, in a desperate situation, d'un moment de désespoir, she knew there was a God. Mais tu connais à ce moment-là qu'il y avait un bon and Dieu. She cried out to him. Elle crie vers ce Dieu-là. And he set her free from her captivity. Et Dieu, il relâche de sa captivité. Whatever you're captive to today, n'importe quoi cette captivité. The Lord wants to set you free. La parole pour libérer. Somebody say amen. Nous dis amen à cela. Somebody say hallelujah. Nous dis alléluia. Somebody say thank you, Jesus. Merci Jésus. So we see that he's there to set the captive free. Donc Jésus dit, allez, venez, vous proclame la, he le, also comes to give recovery of sight for the blind. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Now you can be blind spiritually. Vous pouvez être aveuglé spirituellement. You can be blind physically. Mais vous pouvez aveuglé physiquement. But he wants to bring you freedom in that Mais area. Dieu redapporte la délivrance. He wants to open your eyes. Il a envie d'ouvrir nos yeux. That you might see. Pour que nous capables trouver. With greater clarity. Avec un plus grand clarté and greater understanding. Et plus grand connaissance. So when we preach the gospel, et là, comme ça, nous qu'à prêcher la parole, we pray that blind eyes are open. Et que nous prions, ben, les yeux ouverts. That which is hardened their hearts. Et que vraiment, ben, le rideau qui est dans les autres cœurs, les déchirés. They begin to see. Et qu'ils sont capables, commencent à trouver. Their spiritual eyes are open. Et les autres, les yeux spirituels commencent ouverts. And they're able to find Jesus Christ. Et ils peuvent trouver Jésus. We also pray for physical healing. Bien sûr, nous prions pour une guérison physique. And we start this way. Et nous commençons comme we cela. Pray for people's eyes to get better. Nous prions pour les yeux, mais vous êtes vu recouvert. I've wore glasses since I was 7 years of age. Depuis l'âge de 7 ans, je commence à porter mon verre. And I began to teach, you know what, the Lord can lessen your prescription. As you grow older, your eyes get worse. But I said, why does that have to be? The Lord can heal your eyes. He can make them better. So we pray often in our church for those that even wear glasses, that when they go back to the optometrist, that their eyes get better and not get worse. There have been 2 times that I've gone back to the eye doctor and I've worn glasses all my life, and both of those times my eyesight has gotten better. My prescription has gotten less. And who knows, one day I may not even need glasses. I only wear them for vanity.
Moses prend comme ça. Because my eyes are so small. But Moses porte parce que mon lisier est petit. I look better with glasses. Mais me trouve meilleur avec ma. But I pray for you today. Je vous prie pour vous aujourd'hui. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Everyone that has an eye problem, put your hand on your eyes. Surtout qui a un problème lisier, mettez. That in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Your eyes are getting better. Que le lisier pour améliorer. Your sight is getting better. Nous vue pour améliorer. Your prescription is going down. Et que vraiment tout votre problème pour diminuer. And you will begin to see better. Et que nous commençons à trouver mieux. And the doctor will say, "What's happening?" Et le docteur vous dit, mais qui n'arrive pas à lisier? Your eyes are getting better. Le lisier peut améliorer, la vue peut améliorer. Because of Jesus Christ. C'est à cause de Jésus. And you can testify to His goodness. Et là, tu témoignes au docteur. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. He has come to set the oppressed free. Il est venu pour libérer les opprimés. There are many people that are oppressed. Trop beaucoup de monde oppressé. Even Christians that are oppressed. Même un chrétien oppressé. They get depressed by the enemy. Dépression à cause de l'ennemi. They become overwhelmed by the circumstance of life. Ils commencent à être submergés par les circonstances. The weight of finances upon them. Et la pression de finances les autres. The weight of a relationship that's not good. Un problème qu'ils ont dans notre relation. My wife and I just celebrated 41 years of marriage. Et moi et mon épouse nous célébrons 41 ans de mariage. That's why we were in Paris. But you know what? Even at 41 years of marriage, the enemy doesn't like marriage. All of society is built and established upon the husband-wife family relationship. It is a microcosm of what God is doing in the macro and the large seeing things. So if he can destroy families, he's been very successful. Dans le succès, destroying the fabric of society. Détruire le micro-organisme de la famille, de détruire la société entière. We need to stand strong for families. Alors nous devons être fermes pour la famille. And the husband-wife relationship. Dans le mari et la femme, dans notre relation. Because it's where he wants to attack. Mais c'est ça que le diable veut attaquer. The Bible says, "Don't let the sun go down on your wrath." La Bible dit comme ça, pas laisse le soleil tomber dans votre colère. If you get angry, work it out. Si vous êtes en colère, mais travaillez-le là. Immediately as soon as possible. Et être responsable. Don't let it fester and become bitterness. Et pas laisser cette colère vivre en l'amertume. It's what destroys relationships. Parce que c'est un qui détruit les relations. If your husband is here or your wife is here, grab their hand right now. Si votre épouse ou épouse à côté de vous, attrape sur la main. Wherever you're at in this place, grab their hand. Et que là que t'étais, attrape sur la main. I want to pray for your marriage. Je voulais prier pour votre mariage maintenant. Father, in Jesus' name. Père, au nom de Jésus. I come against every divisive spirit of the enemy. Je viens contre tout plan de l'ennemi. Every spirit of turmoil in marriage. Tu vas l'expliquer. La porte, un ouragan, une tempête dans ma relation. That would attack marriages. Qui va attaquer mon mariage. I bind you. Me lie-toi. I command you to cease and desist. Me commande-toi, te cancel, te travail. To stay away from these marriages. Te reste loin de ce mariage là. That these marriages are blessed of the Lord. Parce que mon mariage est béni par Dieu. And that husbands and wives get along. Et que mari et femme se portent bien en paix. They love one another. Que se comptent l'un et l'autre. And they model healthy relationships to their kids. Et que ce bout de travail, cette relation pour que ces enfants trouvent. That our society may be strengthened. Et que la société des cas renforcée. Help them to work out their problems quickly. Et aide-les pour résoudre leurs problèmes vite. Using the living word of God as their guide. Et servir la parole de Dieu comme un guide. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. So we want depression to go. Nous voulons l'oppression pour aller. There are times that you just have to strengthen yourself in the Lord. Et dans un moment, nous devons fortifier nous dans le Seigneur. It's exactly what David did. Exactement comme David a pu faire. When the Philistines took he and his family. Et les Philistins sont venus pour toute sa famille. And the men that were traveling with him, all of their goods and resources. Et là, tout sa famille, son bien, ils ont tout pu traverser. And took them away when David and his men came back. Et ils portent tout en possession de David. Everyone was depressed. Tout le monde était découragé. They wanted to kill David. J'ai envie de tuer David. And David sought the face of God. Mais David il cherche la face de Dieu. Instead of getting depressed. Et au lieu qu'il laisse tomber dans la dépression. And getting oppressed. Et être oppressé. And by the way, we all have that opportunity. Nous tous avons cette opportunité là. To become depressed. Et pour capable venir dans la dépression. We just choose not to be. Mais nous capable choisir pour pas tomber dans la dépression. But we do what David did. Et si nous faire comme David il fait. David strengthened himself in the David Lord. David il fortifie lui-même dans le Seigneur. He didn't
didn't point the finger at God. Il ben blâme le Seigneur. But he began to praise God. Mais au contraire, il commence à louer le Seigneur. And in his praise, God came on the scene. Et vraiment, la louange de David, il and in his worship, God came on the scene. Et il commence à adorer mon Dieu. And reversed it, and they got everything back that had et been taken. Renverse la situation. The thief needs to return fourfold. The thief needs to return fourfold. So I call back broken relationships. I call back lost finances. I call back those things that have been taken from you. That they be restored in Jesus' name. And then finally, to proclaim the year of the Lord's favor. In the nation of Israel, dans la nation d'Israël, the year of the Lord's favor happened every 50 years. Et tous les 50 ans, il y a vraiment la faveur de Dieu qui vient. That they were to celebrate the cancellation of all debts. Que tous les 50 ans, célébrer que toute dette cancelle. All properties went back to the original owner. Et que vraiment toute propriété lui retourne à l'ancien propriétaire. All land went back to the original owner. Et que toute terre retourne à l'ancien propriétaire. If you owned a debt, it was canceled. Et toute dette cancel un seul coup. And you are free. Et là, vous êtes libre. Today the Lord is declaring the year of the Lord's favor. Le Seigneur peut dire comme ça, c'est une année de grâce. Jesus is saying that he's proclaiming the year of the Lord's favor. Jésus peut dire comme ça, il peut proclamer une année de grâce du Seigneur. Though your sins may be as scarlet. Et qu'ils ont péché comme le cramoisi. They shall be made white as snow. Le cramoisi peut venir blanc comme la neige. If you're willing and obedient, et que si nous vivons dans l'obéissance, you will eat the best the land has to offer. Je mange le meilleur de la terre. The year of the Lord's favor. Dans l'année de grâce du Seigneur. Is that there is a cancellation of your debts? Toute ma dette pour cancel. That your sin has been forgiven and atoned for. Qu'ils ont péché et fini payé, fini lavé. By the blood of Jesus Christ. Par le sang de l'agneau de Jésus Christ. Today is the day of the Lord's favor. Aujourd'hui c'est le jour de la faveur de Dieu. Receive his favor. Recevoir sa faveur. Spiritually. Spirituellement. Physically. Physiquement. Emotionally. Émotionnellement. Mentally. Mentalement. Relationally. Émotionnellement. Financially. Financièrement. In every capacity. Dans toute capacité. Begin to walk anew. Commence marche d'une nouvelle vie. In the newness of God. Dans la nouveauté de If Dieu. If you need to shake off the past. Secouez le passé. You need to shake it off your very being. Et secouez votre l'intérieur. Even as a prophetic act. Et pareil comme une action prophétique. Of saying the past is the past. Dieu le passé, il reste dans le passé. Today is a new day. Mais aujourd'hui c'est un jour nouveau. That you are anointed because the Spirit of God is upon you. Parce qu'il nous noue ce matin parce que l'Esprit de Dieu est en nous. To be used by the Lord. Qu'il nous peut être servi par Dieu. To preach the good news to the poor. Pour prêcher l'Évangile aux pauvres. To liberate those that are in bondage. Pour libérer ceux qui sont captifs. To set blind eyes that are open. Que les yeux aveugles soient ouverts. To see the depressed and the oppressed be freed. Que ceux qui sont oppressés soient libérés. And that you get to preach the good news et que nous vous prêchons la bonne nouvelle of the acceptable year of the Lord's favor. De l'année qui est acceptable aux yeux de Dieu. That is a now season now. Et c'est nous saison. Stand with maintenant. Me all over this house. Stand with me, please, Laisse all over this place. Ce matin dans l'église. I want you to do something with me. Faire quelque chose ensemble avec As moi. A prophetic act. Comme une action prophétique. To put in agreement this word that has been shared today. That right now is a prophetic act. Just begin to take your hands and shake them like this. Shake them. Come on, do it. Don't be embarrassed. Shake them off. Begin to shake your legs. Begin to shake your body. Shake it off. It's like the past is being shaken off. Today is a new day that you're stepping in. To the newness of the Spirit of God. In your life and on your life. That your journey is taking up another level, another notch.
vraiment. That God wants to use you. Que Dieu peut servir nous. That He just doesn't want to use Bishop Kevin and Pastor Sweetie. Le Seigneur va pas seulement servir Bishop et Pastor Sweetie. Pastor John, Pastor Helen. Seulement Pastor John et Pastor Helen. And the leadership team here. Ou bien seulement ma leadership. But He wants to use you. Mais Dieu a envie de servir chacun d'entre nous. Do what Jesus did. Pour faire comme Jésus le fait. Because the Spirit of the Lord is upon you. Parce que le Saint-Esprit est sur chacun d'entre nous. Now, if you're not born again, maintenant si je ne suis pas né de nouveau, the Spirit isn't on you. Le Saint-Esprit dit aux autres. Because He must be invited in. Et le Saint-Esprit dit pas aux autres parce qu'il doit nous accepter. Jesus Christ is your Savior and nous Lord. Nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur avant. So before we go any further in our service, et avant que nous continuions réunion, I want to give you opportunity today. Je voulais donner sa grande opportunité aujourd'hui. To receive Jesus Christ as your personal Savior. Pour recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel dans votre vie. That today you'll invite Him into your heart. Que ce matin nous pouvons inviter Jésus dans nos cœurs. And into your life. Dans nous la vie. Submit to His lordship in your life. That the anointing that was upon Jesus will come upon you. Maybe you're here.